Yo tout le monde, c'est Looping, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Skyrim. Je suis actuellement à la tour de Skuldafen, une des tours de Skuldafen, donc près du portail pour aller à Sovngarde. D'ailleurs, j'en profite pour dire que si vous êtes nouveau sur la chaîne, que vous découvrez un petit peu ce let's play, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à la commenter, à la liker, à mettre un petit commentaire, tout ça, ça fait toujours plaisir. Bref, Lysia ne m'a pas accompagné puisqu'elle n'est pas montée avec moi sur le dos d'Odaving. Mais du coup je suis tout seul ici, c'est pas un problème, je me démerde plutôt pas mal pour l'instant. Je sais qu'il y a un prêtre dragon qui m'accompagne, qui m'attend plus loin d'ailleurs justement à l'entrée de Sovngarde. Mais pour l'instant je m'en formalise pas parce que je me mets pas la pression. Je sais que j'arriverai à le battre, bon il risque d'être un peu pété quand même, c'est possible. Mais après c'est vrai que j'arrive plutôt à me démerder dans la plupart des situations. Donc pas de pression, on y va tranquillement, on fait nos petits trucs à droite à gauche hein, et puis voilà, c'est une bonne chose. Une bonne manière de fonctionner, je trouve. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Hop. Du coup, en attendant, on loot un petit peu. On se fait plaisir. Et je crois qu'en fait, on a fait le tour directement de l'endroit. Ok, donc c'est pas... C'est pas un passage secret ici. Il n'y a rien d'autre. Hein. Ouais, voilà. C'est les deux portes. Il y en a une à droite, une à gauche et puis c'est tout. Donc on va aller là et on sera sur le parapet en hauteur de cette tour sud de Skuldafen. Le dragon il brille toujours en bas. Bon ben voilà, du coup je crois qu'on a fait le tour. Il me semble pas qu'il y avait d'autres portes au-dessus. Après il veut me faire entrer dedans lui, ça sert à rien. Là, pourquoi il veut me faire entrer dedans? J'ai raté quelque chose? J'ai dû rater quelque chose. On est d'accord qu'il n'y a pas de passage encore au-dessus. Hein. Bah non, du coup. Maintenant, il me demande d'aller en bas. Ok, je crois que c'est le jeu qui est un peu en PLS au niveau du marqueur. Carte. Ouais, c'est ça, il me demande pas du tout d'aller là. Les quêtes, peut-être, qui foutent la merde. Atteignez l'entrée d'Adwin. Oui, voilà, c'est ça. Donc, en fait, là, il me demande pas de faire quoi que ce soit d'autre. On va continuer à avancer par là du coup. Ah, on a encore des archers qui veulent essayer de me choper. Ils n'y arriveront pas. Raté. Ok, on a un petit seigneur drogue là-bas. On va sauvegarder au cas où hein, parce qu'on sait jamais, on n'est pas à l'abri de nouvelles surprises hein. Faut pas être trop confiant. Ça joue parfois de mauvaises choses. Bon, alors du coup c'est pas par là du tout que je devais passer. Il y en a un qui m'attend en bas, juste là. Il est où l'autre? Ah, il est là-haut. Pourquoi il a fait son truc à droite lui? Oh, c'est excellent. J'adore ça. Oh. Pardon d'ordi quantique souple. C'est la première fois que j'en vois un souple, je crois. J'aimerais juste accéder sur les hauteurs. Bon, je suppose que... Je sais pas s'il a voulu pousser un cri, il s'est étouffé, mais... Ça ressemblait à pas grand-chose, là. Bah, donc j'ai un joli comité d'accueil au-dessus. Wow! J'ai été entraîné par le cri, par mon attaque, et heureusement, parce que du coup j'avais le Fusroda qui arrivait droit dans mon cul. Faut que je fasse attention à ma vie quand même. Hop, on va sauvegarder. Ah, t'es là! Voilà. Allez, maintenant on enchaîne. Voilà. 9 pièces d'or. Il m'en reste un dans le coin, il doit être caché là-bas. Oh! Mais ils sont où? Ah, il est là! Voilà. Ah, il est au-dessus là. Ils sont
suis encore plus qu'avant. Ouais, et ma... Et ma vie, elle a quand même bien baissé, là. Du coup, potion. On va utiliser un comme ça. Un comme ça. Un comme ça. Je peux utiliser d'autres. Un truc comme ça. Voilà. On peut utiliser quoi d'autre encore? Une potion. Voilà, et un comme ça. les gars, il va falloir attendre. Hein. J'ai encore d'autres choses à faire en bas. Il y avait autre chose ici, là-bas aussi. Donc s'ils veulent m'attaquer, ils vont devoir me courir après parce que moi, je vais pas aller les chercher. Hein. Voilà, donc il y a un accès là. Si c'est la vigueur qui m'embête, mais bon, c'est pas grave, on va faire avec. Allez, on va voir là-bas, il y a une sorte d'hôtel qui nous y attend avec un drogue qui a l'air d'être devant et un autre qui est juste devant en bas qui fait le guet, sans doute un seigneur drogue vu la tronche qu'il a de loin. Ouais, c'est ça. Ok, ça va. Bon, le problème étant vraiment le fait que je n'ai plus que je n'ai plus beaucoup de vigueur. Et il est mort, on dirait qu'il va faire la natation le perso là. Qu'est-ce qu'on a là? Bonjour. Ah ouais d'accord, c'est trop beau pour adorer. Un drogue infernal. Bah j'étais encore plus infernal que toi. 10 pièces d'or. Et on a un joli coffre du coup. Flèche d'os, je prends. 20 pièces d'or, potion de magie légère, des flèches de feu, de foudre et de glace et des bottes à revers nacées que je ne prends pas. Bah voilà, bah c'est cool, ça fait plaisir. Alors là, comme ça, j'ai pas l'impression d'avoir loupé quelque chose. Donc ça, c'est sans doute la tour nord, c'est ça? Il aborde une grande porte qui nous y attend. Voilà, c'est ça, tour nord. Donc il y a tour sud et nord. Je m'hydrate parce qu'il fait chaud. Le ventilateur n'est pas très efficace. Idéalement, il faudrait mini-clim. Ah ouais d'accord, j'avais oublié qu'un drogue normal il mourrait à la première attaque. Il y en a d'autres qui arrivent dans mon dos. Pas mal, mais non, je prends pas. Il a tenté de m'amadouer avec son arme en disant tiens, prends mon arme, elle est intéressante. Mais non, elle est pas intéressante ton arme. Elle pue. Elle pèse trop lourd. Elle pèse pas cher. Elle coûte pas cher à la revente. Bref, inutile. Elle coûte pas cher. Elle donne pas beaucoup d'argent à la revente. Ça, je prends. 21 pièces d'or, potion de magie profuse, tant qu'à faire par. Ouais, voilà, il y a un rubis parfait. Nickel. Allez. Maintenant, sort d'ici. C'était deux petits donjons. Annexe. Maintenant on se dirige vers le donjon principal qui est là-bas. On va éviter de se tuer. Voilà, cool. Et là-bas, une fois qu'on aura, on sera monté sur le parapet là qui est juste au-dessus, on va avoir affaire normalement à un autre seigneur drogue. Il est juste au-dessus, il nous attend lui. Ça t'apprendra, tiens. Ah, j'aurais peut-être pu essayer de le faire descendre. Ah, il a failli. Ah, j'ai envie de lui casser les couilles. Merde, il m'a repoussé au moment où je sautais. Ah. Bon, allez. Bouge pas de là, toi. Il est où?
Allez. Approche-toi du bord. Mais merde, il s'est déplacé. Pourquoi ils me demandent d'aller là-bas à nouveau? Ils sont cons, quoi. Bon, bah décidément, ils veulent plus s'approcher du bord. Je pense qu'ils ont senti ce que je voulais faire. Allez, on rentre ici. Temple de Skuldafen. Là, on dirait le Hrothgar, mais en épave. Son poison de frénésie, vulnérabilité à la magie, ça on s'en fout. Je pense qu'il y a 2-3 endroits où il y a des trucs à looter ici, donc on va faire attention quand même. Ça fait entre guillemets un petit temps de répit, on va dire, enfin je crois. Je sais pas si le passage au-dessus est accessible, j'aurais tendance à dire que oui, mais par où? Pas par ici, j'ai l'impression. Peut-être moyen en fait, en grugeant, mais... Parce qu'en sautant, on peut prendre des raccourcis, mais après, bon... Parfois, on perd beaucoup de temps pour pas grand-chose. Ah, là-bas, j'ai un adversaire. Mais là, j'ai un coffre. Bon, allez, on va passer par là. J'ai tendance à dire toujours à gauche, d'ailleurs, dans ces moments-là, mais... Merde. Voilà. Alors, du coup. Ça, je prends. Ouh, il y a du loot ici. Ça, je prends. Ça, je prends. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Une urne funéraire. Une autre urne funéraire. Quelle surprise, une urne funéraire. Et là-bas, oh, je m'y attendais pas, une urne funéraire. Ok, bon, visiblement, on peut toujours pas accéder là. Je suis quand même perplexe. Évidemment, il n'y a pas d'endroit pour y accéder au-dessus, et pourtant, je suis sûr qu'on peut y aller. Je suis désolé, faut que je tente un truc, parce que là... Mais si, cet endroit, on est censé pouvoir y aller. Comment je pourrais m'y prendre? Ici, il y aurait moyen de grimper. Merde. Ah. Ah, la frustration. Voilà. Ok. Je sauvegarde. Bon, en fait, ça sert vraiment à rien. Il y a que dalle, quoi. Ah! Yes! Je monte petit à petit. Yes, j'y suis. Voilà, alors qu'est-ce qu'on a? Eh ben. Oh, quelle surprise! On a vraiment que dalle. Ah ouais, c'était vraiment en mode full déco, quoi. Tant pis, au moins j'aurais tenté. Et j'aurais réussi en plus. Là, c'est ça, y'a vraiment rien du tout. Hein. Bon, bah écoutez, pas grave, de toute façon, bon, moi je suis serein avec moi-même, je sais ce que ça valait le coup ou pas d'y aller. Et ça m'aura pas pris beaucoup de temps, heureusement. Pas une grosse perte de temps, c'est le principal. Allez, on continue par là. Ok, là on a un petit peu... Oh, on a même un piège. Non, alors toi, les sorts, tu vas te les garder. Voilà. Terval, le tueur de drogue. Ok, lui je vais le looter aussi. Et là-bas, pareil. Et je l'ai projeté vachement loin en fait. Ok, donc on a deux portails ouverts. Donc il y a des stèles qui sont affichées juste au-dessus. Là aussi, ici, donc le piège a l'air d'être assez simple à mon avis.
Je sais pas ce qu'il y a là, mais ok. Ah, mais c'est pareil, ces endroits en haut, ça donne envie de les looter. Et en fait, je suis sûr qu'il n'y a rien du coup. Par rapport à l'autre endroit que j'ai fait avant, ça doit être le même coup. C'est, ils mettent des bougies, genre en mode c'est une zone accessible. Et non, en fait, c'est juste de la déco. Donc on va pas s'attarder plus que ça sur le sujet, hein, voilà. Et ce que je vais faire par contre, c'est que je vais déchiffrer le code sous vos yeux ébahis. Donc j'ai 3 stèles. Peut-être une quatrième quelque part, parce que bizarrement j'ai... Bah là j'ai une baleine. Serpent. Aigle. Serpent. Et j'ai que 3 stèles. La quatrième est où? Ouais. À moins que ce soit serpent et baleine d'un côté et que là j'ouvre la porte que je veux. Genre par exemple, si je veux ouvrir celle du serpent, je mets. Attends. Ah non, d'accord, faut que les deux trucs soient. Genre là, il y a serpent. Voilà, aigle et le serpent de ce côté-là. Donc serpent là et aigle là. Qu'ici je vais mettre la baleine dans le bon sens. Ce qui a l'air d'être le cas. Et que là, je mette le serpent dans le bon sens. Ce qui là a l'air d'être le cas aussi. Et donc logiquement, si je me rapproche de là. Zut. Ça ne fait rien du tout. Alors dans ce cas là, je mets l'aigle ici, ça va au fond de l'aigle. Voilà, donc ça c'était sûr. Donc j'avais raison sur le principe, mais sauf qu'au départ je pensais qu'on pourrait les deux en même temps. Donc là ça me donne accès à un coffre, et l'autre du coup me permettra d'accéder du coup à la suite du donjon. Donc à la place de l'aigle, je vais devoir mettre le serpent. Voilà, et là je recommence mon tour de magie, nickel. Enfin j'ai dit tour de magie, mais en vrai j'ouvre une porte quoi. Ok, allez go, c'est parti. Je fais quelques petites sauvegardes quand même pour éviter des petites surprises plus tard. Je suis un peu plus serein par le fait de ne pas être accompagné par Lydia, parce que moi c'est des pièges, je sais qu'elle marchera pas dessus. Ok, donc c'est pas un passage secret ici. Là non plus visiblement, là le drogue, s'il y en avait un il sort pas. Bon, tu me rates, t'as besoin d'aide alors non? Ah non, ça par contre c'est interdit. Voilà, hein, tu vas te calmer parce que ça, si tu mets du feu, moi je mets la glace. Hein. Oh, ouais d'accord. T'emballe pas toi là-bas, ok? C'est chiant. Hein. Quoi, il était pas de carrière, t'as besoin d'aide? Ah oui, il a besoin d'aide. Wow, pardon. Ah, coincé dans la toile. C'est d'un mental. J'ai là en tête le truc du palmacho, le sketch du palmacho. Je suis Spider-Man. Attends, comment il dit? Je suis Spider-Man. T'es dans ma toile. Bref. Allez, on va les aider à sortir d'ici. Voilà, ah, j'ai été empoisonné. Du coup, c'est à dire que si je vais dans magie, je vais dans effectif, je vais avoir des trucs en rouge. Bon, ça va s'arrêter de toute façon. J'espère. Au pire, j'ai des potions médicinales sur moi. C'est bon, elles ont disparu. Donc voilà, j'avais raison, ça avait rien d'utiliser une potion médicinale pour ça. J'aurais espéré un petit coffre, un petit objet sympa, mais visiblement il y a rien de tout ça ici. Il y a encore des araignées à côté. C'est bien, bah au moins ça augmente l'armure lourde du coup quand je me fais toucher. Je prends les poisons au cas où, mais ça me servira sans doute pas.
encore des araignées après, je crois que je les entends. Il y a un corps là. Je me disais qu'il y avait trop de toiles à un seul même endroit. Hop, les potions, je prends. Allez. On a un animal qui s'est retrouvé ici. Comment il a fait? Ah non, vu le squelette, c'est peut-être pas un animal. Peut-être un sombrage qui s'est retrouvé là. Un ronceau noir. Dis, je sais pas, tu peux au moins m'accueillir comme il se doit. En mode, oh, enchanté, vous êtes le Dovahkiin. Ok, on a encore un... Ok, on a encore un... une sorte de code à faire. Donc là, faudra mettre l'aigle, là, faudra mettre la baleine. Oui, l'aigle, là, faudra mettre la baleine. Et il y avait notre stèle en bas. Et là, c'est peut-être en bas que c'est indiqué ce que je dois mettre de l'autre côté. J'espère. Oui, voilà, serpent. Le petit coffre qui fait toujours plaisir. On va finir de loot la zone. Quand même, histoire qu'on ait aucun regret. Donc là, c'était l'aigle qu'on devait mettre. On va le faire maintenant. Voilà, parce qu'en face, c'est la baleine. Voilà. En bas, on va aller mettre le serpent. C'est parfait. Une petite sauvegarde. Et on va ouvrir ça. Nickel. Je vous rappelle que tout ça, c'est juste pour monter en haut. Hein. Mon épée, elle est full charge. Là, mon épée de gauche, là. Oh, alors lui va me gaver. Voilà, allez. Non mais oh, ça prendra, tiens. Pour monter. Ok. On lootera après. J'avais oublié que c'était un petit un petit drogue classique et que du coup il allait crever au premier coup. Ah bah d'accord, le coffre il est vide. Oh le gros troll. Alors est-ce qu'on a autre chose dans le coin? Je n'ai pas l'impression. Bah écoutez, go hein. On va aller vers là-bas. Un petit F5 qui met bien. Oups, je me lève de là. Il y avait le piège, je l'avais même pas eu. Mes pièces d'or. Donc ils sont tous au-dessus de moi là actuellement. J'aime ce rituel supérieur. Une potion de vigueur, une petite urne. Ah, elle est vide. Et ils sont en train de descendre l'escalier. Ah bah oui. Laisse-moi looter. Laisse-moi. Laisse-moi looter, fouiller sans me faire chier, s'il te plaît. Alors du coup, les deux ils sont dans la pièce à côté. Donc cette porte devra s'ouvrir sans doute grâce à un truc qu'on va devoir faire là-bas. Fouf. Et de 1. Ah, le deuxième résiste. Il a peut-être été épargné par les flammes. Ah oui, il était caché dans le coin. Mais ça n'a pas suffi. Et c'est pas l'arc que je voulais récupérer. Fait chier. Donc, arme. Ouais, ça, ça dégage. Voilà, tac. Oh, au niveau du poids, ça va encore. Bon, j'ai pris l'épée en verre. Heureusement que le verre ne pèse pas très lourd. Enfin, quand même, hein, je viens de prendre 15 poids dans la gueule.
Les flèches nordiques, je commence à en avoir un sacré paquet, j'ai l'impression. Flèches nordiques, les flèches. Les flèches. Comment ça s'appelle? Oui, c'est la flèche nordique, c'est ça. 471, quand même, hein. Alors, ça, on le tire. Il n'y avait rien d'autre? Non, visiblement, c'est tout bon. Bon, on va pouvoir y aller, du coup. Cool. Alors, un grand corridor. Moi, je dis qu'on approche de la fin là. Oh, un petit coffre. Bien tenté. Ça n'a pas marché. Oh, Gantelet orc d'archerie extrême. 35% de dégâts supplémentaires, sans compter du coup le fait que c'est pas mal niveau armure, c'est l'armure lourde en plus, et que du coup ça va pouvoir remplacer les autres gants que j'avais, qui faisaient plus 25% de dégâts je crois. Donc c'est pas mal, ça commence à faire des trucs bien cool là pour l'archerie aussi, hein. Par contre le feu j'aimerais bien qu'il s'éteigne là. Bon bah de toute façon on va s'arrêter ici pour la vidéo, parce que ça fait quand même un sacré épisode pour l'instant. En tout cas j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à partager la vidéo, à la commenter, à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Allez, ciao tout le monde, c'est Looping. Bye bye.